Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer ce matin avec Marilyn et Brigitte pour commencer. Nos Alsaciennes reviennent pour la deuxième fois et seront opposées à Thomas et Myriam. Thomas et Myriam qui viennent de Belgique. Myriam est mère au foyer, Thomas est ingénieur industriel. On leur souhaite bonne chance. Place au jeu tout de suite avec l'arrivée sur le plateau du sensationnel Thierry Beccaro, mesdames et messieurs. Et là, je bondis. Et là, je marche. Enfin, c'est la cata. Et là, rupture des ligaments croisés. Hop. Oh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ben voilà, notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Eh ben, je suis ravi, nous sommes ravis, toute l'équipe de Motus et moi-même, de vous retrouver et de saluer le public, toujours aussi nombreux, de saluer Brigitte et Marilyn. Comment ça va, Marilyn ? Ah, très bien. Ah, vous êtes bien installés dans, ah oui, on y reste, hein. Dans l'émission. On y reste. Marilyn et Brigitte qui viennent de Rixheim. Je l'ai bien prononcé, Tom ? Parfaitement, Thierry. Rixheim, yo. Voilà, n'en faites pas trop, ça sert à rien. Mais on sent le metteur en scène qui. Oui. Non, le yo, non. C'est un petit clin d'œil à nos amis alsaciens, mais c'est une ponctuation, hein, c'est ça, en Alsace ? Oui. À la fin des phrases. À la fin des. J'essaie d'apprendre aux élèves, mais ils l'oublient souvent. C'est notre point à nous, si vous. C'est notre point virgule à nous, ouais. Si vous voulez. Donc vous êtes professeur, hein, puisque j'ai entendu parler d'élèves, on va le rappeler, Marilyn, professeur de latin. Latin et français, et on salue d'ailleurs tout le collège Jules Verne qui nous reconnaîtra. Oui, mais on a eu 2-3 coups de fil, hein, un peu, ouais, oui, des élèves un peu déçus, mais enfin qui comptent sur vous aujourd'hui, Marilyn. Sur vous également, Brigitte. Oui. Vous étiez professeur de technologie. Voilà. Dans le même collège. Vous demanderez un jour à Tom de vous raconter sa première et son unique réalisation. C'était ça, hein, le porte-savon. Ah, le fameux porte-savon. Il fallait lui trouver un nom, il s'appelait Savonille. Je trouvais ça absolument génial. Voilà. Et ça a été le début des ennuis. C'est là que ça a commencé. C'est là en fait. Que ça a commencé. L'échec scolaire a commencé. C'est ça, oui, les premières convocations. Bonjour Myriam. Bonjour Thierry. Comment ? Bonjour Thierry. D'accord, excusez-moi, parce que je n'avais pas entendu, donc je fais exprès. Voilà, Myriam, vous venez d'où ? De Belgique, près de Tournai, dans l'entité de Perouet, un petit village qui s'appelle Wamon-Mébrifeuil. Oui, alors là, écoutez, je sens comme une certaine malice. Je vous ai vu arriver, je me dis, qu'est-ce que ça va être ? Redites-moi ça au ralenti, comme si c'était... Wamon-Mébrifeuil. Et comment s'appellent les habitants ? Des Wamois ou Wamésiens, je ne sais pas. Voilà. Ça va Myriam ? Ça va. C'est la première fois que vous jouez avec nous ? Non, non. Je suis déjà venue avec ma belle-mère et ma fille. Ah. Ils ont joué à trois, du jamais vu à Motus. Non, c'est la troisième fois. Bon. Et vous Thomas ? Je suis ingénieur industriel, 23 ans, et je viens de Guigny, d'un petit village, près de... Oh là, attendez, 23 ans. Alors, petit village, le nom du village ? Guigny, donc avec un G comme Georgette. Oui. Hein ? U comme Ursule, I comme... U-I-G-N-I-E-S. Oh là, oui, attendez, où il est le G. Ah, bah c'est le G du début. Voilà, voilà. Ni, N-Y. N-I-E-S. N-I-E-S. Ah, il faut tout, genre, commence maintenant. Ouais. King, king. Mais j'en suis resté à la... Oui. Mais sinon, c'est moins marrant. Sinon, je peux pas faire tout le geste de la machine à écrire. Ouais. Si je vous fais l'ordinateur, ça n'a... Si ça bug, à la limite. Voilà, il faut tout recommencer. Faites-nous la palette, vous savez. La palette. Oui, alors je sais pas, je voulais vous dire un mot, mais je ne peux pas le dire. La tablette, voilà. C'est ça. Ah oui, ça n'a rien à voir. La palette, ah non. Parce que... Bon, je vous fais tout ce que vous voulez, mais soyez précis, Tom. La palette, c'est le truc en bois, là, non? 4 mètres sur 3, là. Il faut un tire-pâle et tout. Un fenouil. Oui, mais c'est aussi un... Un morceau de viande. Un morceau de viande. Oui. Ah, merci, Marilyn. Palette à la diable, délicieux. Je vous le conseille.
Ah oui, vous cuisinez ça, la palette à la diable. Oui, c'est, hein, c'est sorti c'est comme ça. C'est alsacien, Thierry. Ah, c'est alsacien. Très bien. Non, laissez, tomber, laissez tomber l'accent, vraiment. Et dis-moi, tu n'aurais pas des amis du côté de Marseille? Parce que là, Parce que vous le tenez bien, l'accent. Bon, vous n'avez pas fait d'ailleurs une fois après nos amis belges? Parce que c'est leur yo à eux, finalement, une non, fois. Non, mais là, non, non, là, vous voyez, non. Non, là, c'est même un si Myriam m'a pas mal taquiné sur le nom de son village, oui, non. Non. Ça, j'éviterai le une fois, hein, pour nos amis belges. En revanche, on va pas éviter la grille. Myriam, Thomas, c'est pour vous. Allez, le numéro magique, c'est le 5. Ah, c'est une petite nouveauté, on l'a jamais eu, le 5. Il me semble. Parce que je note, hein, tous les jours le numéro. Il se moque de moi, c'est le 26, c'était pas loin, hein. Donc on m'a expliqué que ça ne sera jamais le 12, donc c'est pas la peine de pronostiquer le 12, ça ne sortira jamais. Et puis surtout, bon, on gagne rien, Thierry, alors ça sert à rien d'essayer de... Oui, mais c'est juste pour le c'est plaisir. C'est pour le plaisir de jouer. Vous m'avez lâché sur ce coup-là, hein. c'est pas bien. Le montant de la tirelire, Tom. Il y a aujourd'hui, Thierry, 3000 euros à gagner, une tirelire qui se remplit petit à petit. Voilà, Thomas, nous allons jouer avec des mots de... 9 lettres. 9 lettres. Eh bien, nous commençons tout de suite avec un D. Douanier. D-O-U-A-N-I-E-R-S. Dimanche. D-I-M-A-N-C-H-E. S. Ça commence. Ben non, mais j'étais en train de boire et... Et je me dis, c'est marrant. Justement, ça ne désaltère pas. Il ne se passe rien. Effectivement, je n'étais pas dans le bon sens. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive au meilleur, Thierry. Et même au pire. Marilyn, une petite lettre bonus. Dominical. D-O-M-I-N-I-C-A-L. On n'a pas le temps de se désaltérer, les candidats sont trop forts. Bravo Marilyn, allons-y pour le mélange. Le vin. Brigitte. Le 66. Bonne chance Brigitte. Voici la lettre F. Foutaise. F-O-U-T-A-I-S-E-S. Fixation. F-I-X-A-T-I-O-N-S. Fixateur. F-I-X-A-T-E-U-R-S. Alors, Marilyn, je vais tenter le coup, on ne sait jamais. Allez-y. Le numéro magique, c'est le 26. Voilà. 40. Ah, ça, là, ça aurait été le 26, là. Alors là. On rappelait toutes les salles pour la tournée. Et hop, c'était parti. Oui, parce qu'on avait envisagé une tournée avec Marilyn. Enfin, bon. Brigitte, peut-être le 26 pour Brigitte. 16. Allez, nous continuons avec Marilyn cette fois-ci. Et avec la lettre C. Coudray. C-O-U-D-R-A-I-E-S. Cartable. C-A-R-T-A-B-L-E-S. Cuisiner. C-U-I-S-I-N-E-S. Curative. C-U-R-A-T-I-V-E-S. Cintrage. Alors, c'est bon. Allez-y. C-I-N-T-R-A-G-E-S. Céramique. C-E-R-A-M-I-Q-U-E. Bravo. Bien joué, 150 points à présent, Brigitte. Allons-y.
pas les bons doigts pour prendre la... Ce qui était amusant, c'est qu'on sentait que vous vouliez mélanger davantage, mais là, c'était coincé. C'était la noire. La boule était coincée entre vos doigts, donc voilà. Donc vous allez patienter un peu, et Thomas va essayer de marquer 50 points en trouvant ce mot qui commencera par un A. Aoutienne, A-O-U-T-I-E-2-N-E. Anguille, A-N-G-U-I-2-L-E-S. Aiguille, A-I-G-U-I-2-L-E-S. Aiguillon, A-I-G-U-I-2-L-O-N. Et ben voilà, Myriam, bravo. 50 points pour vous. Voulez-vous mélanger, Myriam, s'il vous plaît? Votre numéro magique, c'est le 5. 43. 43. Thomas. 41.